dernier épisode de cette mini-série avec Karel, coutelier. Avant de le rejoindre pour les dernières étapes et voir la révélation complète du couteau, dis-moi ce que t'en as pensé. Voilà, fais une section commentaire, dis-moi si t'as bien aimé le format, la longueur, les durées des épisodes, cette mini-série, le sujet. Voilà, n'hésite pas à t'exprimer librement dans la section commentaire. Je voulais aussi te dire que si toi aussi t'as un savoir-faire comme ça que tu souhaites partager sur ma chaîne YouTube, eh ben surtout t'hésite pas. Les liens sont en description pour prendre contact, échanger et voir ce qu'il est possible de faire. Seule condition évidemment, c'est d'être en Bretagne. C'est un petit peu le principe de cette chaîne. Oublie pas de liker et de partager cette vidéo aussi parce que si elle t'a plu, elle pourrait plaire à d'autres. Maintenant que ça a été partagé, on peut rejoindre Karel. Est venu le moment du screenshot. Alors, c'est scrim show. Je reprends. Est venu le moment du scrim show. Tu peux encore reprendre. Scrim. Scrim, ouais, c'est. Ah, scrim. 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 Ouais, S-C-R-I-M-S-H-A-W. Scrim, chat. Scrim. Scrim. Vas-y, attends. Scrim show. Bon, vas-y, dis-le. Ça sera plus simple. De quoi? Est venu le moment du scrim show? Ouais. Est venu le moment du scrim show. Donc là, je vais dessiner le projet au crayon de papier pour avoir une vision d'ensemble de ce que ça peut donner, bien équilibrer les deux côtés. Et ensuite, avec une pointe sèche, c'est ça, je vais juste la réaffûter un petit peu avant de faire, mais en gros, voilà, j'ai un genre de crayon qui gratte comme ça. Et je vais venir griffer la surface de l'ivoire qui est poli. Et ensuite, avec un coton-tige et de l'encre de Chine, je vais remplir. Essuyer et tout ce qui est en creux va ressortir. Tu sais ce que tu dessines ou t'as un modèle? Ouais, ouais, d'un côté, d'un côté, je vais mettre une queue de baleine qui sort de l'eau. C'est une petite scène maritime. D'un côté, une queue de baleine qui sort de l'eau. Ok. Et de l'autre, un petit bout de côte avec un phare dessus. Voilà. Inspiration islandaise, on va dire. Petit process un peu tendu. Parce ouais, que c'est là, ouais, c'est un peu tendu, ouais. Si tu viens de là-dessus, il faut refaire tout le manche, quoi. Voilà, c'est ça. Non, on va pas refaire tout le manche, mais il faut reponcer, il faut redescendre. Enfin bref, c'est chiant. À éviter, quoi. On va éviter. Ouais. Pour que la scène soit vraiment contenue dans quelque chose, je vais dessiner une espèce de cellule dont les contours seront marqués, qui va faire tout le tour du manche en esquivant la petite garde, là. Donc en gros... comme ça, là, avec une courbe qui va, je vais avoir la même de l'autre côté, qui va faire tout le tour. Et du coup, là, pour mon premier trait, je fais un petit coup de trusquin du pauvre. Tu vois, je cale mon index, c'est mon majeur d'ailleurs, sur le bord de la mitre, en restant bien, bien ferme. Et ça me permet de venir tracer un trait. Égale distance, pourquoi tu rigoles? Ta phrase est beaucoup trop longue. Ah pardon. Voilà. Dernier jour,
Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Attends. Voilà, les lumières sont mieux. Alors, il nous reste pas grand chose. Là, je vais venir coller ça à la colle contact. Ok. Une fois que c'est collé, avec un petit cutter forgé, là, je viens tout arranger bien nickel. Un petit coup de teinture. Je viens tout lisser. La dragonne est prête. Je fais un nœud de sifflet de Bosco à l'arrière du couteau. Un coup de gras sur le cuir. Le gras sur le cuir, c'est pourquoi? Pour le protéger. D'accord. Sinon, il peut prendre des taches. Faut vraiment que je fasse gaffe de ne pas prendre un angle pour pas écorcher le cuir. Là, le truc, il est fini. Hein. J'ai plus qu'à faire la tranche. Donc voilà, j'y vais tranquille. Je regarde bien de chaque côté. Ouais, ce stade, t'as pas envie de viander tout le cuir. Quoi. Ouais. Je comprends. Vraiment un travail de sculpteur. J'aime bien le côté fini au couteau sur ces études-là parce que c'est. En Scandinavie, quand ils font leurs étuis, ils font ça vraiment au coin du feu avec des couteaux qu'ils ont déjà. Ça permet de laisser un petit côté. La découpe est finie, tu pars sur la teinte. Ouais. Donc la même chose que la dernière fois, mais vraiment sur la tranche là, pour finaliser ça. Et là, pour teinter le côté, parce que je suis pas tout à fait à plat, je suis un peu bombé, je viens pas pencher parce que c'est un coup à refoutre un coup sur la teinture qui est déjà faite. C'est juste une histoire de pression. Si je vois que ça va pas sur les bords, j'appuie un petit peu plus. Ça permet d'avoir quelque chose de régulier. Voilà, donc là on va laisser sécher. Je vais venir lisser un petit peu. Je vais mouiller. En fait, quand ça sera sec, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Je vais venir écraser, faire briller un petit peu la tranche. Et après, on met la finition en gomme à dragante. On graisse. Je fais le nœud du couteau. Et j'ai terminé, je crois. J'aimais le petit. J'ai terminé, je crois. Ouais. Le petit doux dur. Est-ce que tout y est après ces multiples étapes Ouais. Voilà. Pourquoi ce nœud? En fait, pour sortir le couteau de l'étui, si jamais il y a une restreinte, l'idée c'est de venir caler le petit doigt au niveau du nœud là. Et tu peux venir pousser sur l'étui, tu vois, sur le tiers-bord qui est ici. Il bouge absolument pas. Dernier plan, on est sur une fin de tournage tranquillement. Voilà, je deviens fou. Qu'est-ce que tu penses de ton couteau? Et j'en suis très content. Il correspond à l'image que j'en avais faite, ce qui est toujours un peu compliqué. Le clic est efficace. Je suis content du scrimshaw. Il y a un petit côté rustique, juste comme il faut. Et l'objet est simple, c'est un couteau, ça reste un objet qui coupe. Ouais. Et puis c'est bien résumé ça. On peut y apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité dans le manche, dans la lame, dans l'ensemble. C'est sans fin, le mec. Ouais. Oui, c'est sans fin, ouais. Puis après, voilà, là, toi, t'es.
Il y a un travail du cuir, un travail du bois, un travail de l'acier. J'imagine qu'il y en a, enfin, il y a de l'ivoire aussi, il y en a qui vont travailler encore d'autres matériaux. Ouais. Ouais. On est sur un sujet hyper important, gros brainstorming sur la vignette de la vidéo sur laquelle tu as cliqué visiblement, donc ça c'est cool, c'est qu'elle t'a plu. Mais là, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on met. Est-ce qu'on met le couteau? Est-ce qu'on le met mais on le floute? Est-ce que... Le couteau, donc, le couteau dans l'étui, est-ce qu'on met une grosse machine de bourrin? Est-ce que... Ah, devant la forge, ça peut parler. Hein. Ou en tout cas devant ce qui serait marrant, c'est que je fais sortir plein de gaz dans la forge sans l'allumer. Ouais. D'accord? Je viens enflammer et puis... Ça, il y a un peu du putaclic. Il y a un truc qui explose derrière nous et nous, on est comme ça avec des cheveux qui prennent feu et tout. Ah, j'aimais bien tout le début. La là, fin, ça y est, le couteau est fini. Le tournage aussi, d'ailleurs. On a même fait la miniature, enfin des miniatures, que vous verrez évidemment au fur et à mesure des vidéos. On a fait aussi d'autres plans, mais ça vous verrez ça sur une prochaine vidéo, un peu plus interview. Ça a été un bel exercice, n'est-ce pas Karel? Ouais, c'est pas simple de prendre la parole devant une caméra avec un pitch et expliquer un peu ce qu'on fait, etc. de manière synthétique et que... Regardez, bref. C'est beaucoup plus facile de faire le con d'ailleurs. Voilà. Que d'être sérieux. Donc magnifique pièce. Ça reste un couteau, il faut faire aucun compromis sur le pouvoir de coupe, sur l'acier. Voilà, c'est pas juste une sculpture en forme de couteau. C'est un couteau. C'est un couteau. Après, on y ajoute des petits... une petite dimension artistique, sculpturale, on voit ça comme on veut, mais ça reste un couteau. Il reste fonctionnel du début jusqu'à la fin, oui, la et puis coupe. Oui, l'étui tient bien, l'étui... le couteau coupe, il y a aucun souci là-dessus. Quoi. Il est fait pour durer des générations. Et, c'est une belle pièce, hein, c'est plutôt un gros couteau. Est-ce que tu peux nous montrer aussi, ou alors nous expliquer un petit peu quel genre de couteau tu fais? Est-ce que tu proposes, que là c'est vrai qu'on a vu la fabrication d'un couteau, ouais. C'est un élément c'est de ta gamme, c'est une pièce unique. Les fixes que je fais de manière générale auront cet esprit-là. Toujours un esprit utilitaire de bateau, on veut pas que ça tombe, mm-hmm. on veut que ce soit durable, des bons matériaux. Quand je dis un couteau utilitaire, c'est vraiment un couteau à tout faire. Pour travailler du bois, du cordage, du cuir, pour manger évidemment. Ça c'est vraiment le couteau fixe. Et je fais aussi, c'est d'ailleurs ce que je fais le plus, des couteaux pliants, couteaux de poche. Ok. Beaucoup plus légers, beaucoup plus discrets. T'en as sous la main ou ils sont tous partis déjà? Bah non, j'ai jamais rien sous la main. Non. Détroussé. Le 1er juillet 2023, premier salon de coutellerie en Bretagne d'ailleurs. Un petit bandeau promotion. Ouais. Je vous mettrai de toute façon le lien de ton Instagram, de ton site internet, et puis je te récupérerai peut-être quelques photos pour montrer ça. Le site internet n'est pas à jour du tout. Voilà, alors l'Instagram. Instagram, Facebook, mais le site internet... N'y allez pas. Voilà. N'y allez pas. Instagram, Facebook, voilà. Ok. Et l'atelier est ouvert. Où est-ce que tu proposes des stages aussi? Alors, oui. Parce que c'est lourd à force. Voilà. Et puis on change de... On change un petit peu. Oui, je fais aussi... alors j'essaie de ne pas en faire trop, mais c'est une fois par mois, une fois tous les deux mois, j'accueille un... quelqu'un qui va prendre les bases de la coutellerie. Ok. Fixe ou pliant. Voilà, il y a un stage fixe où on apprend les bases de la forge et on fabrique un couteau fixe. Et un stage pliant où il y a plus de découpe, de petites mécaniques. Voilà, dans tous les cas, on aborde les traitements thermiques, l'acier, la métallurgie, ce qui fait un bon tranchant et les bases pour avoir un couteau qui coupe. C'est quand même fait pour ça. Ben voilà, faut pas hésiter, vous savez comment le contacter. Merci de m'avoir accueilli dans ton atelier. Avec plaisir, Jordan. Du coup, en Bretagne. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Entre Rennes et Saint-Malo. C'était super cool d'avoir passé un moment avec toi. Parce que voilà, les gens le savent, on se connaît depuis longtemps, mais c'est aussi l'occasion de passer du temps ensemble. Et puis de voir ton atelier, de voir comment tu travailles, de voir les réalisations et le travail que tu fais. Et ça, je pense que malheureusement, ça ne transpire pas forcément dans la vidéo, de voir toutes les étapes, tout le savoir-faire qui est derrière. Parce que voilà, ça passe assez vite, il faut arriver à synthétiser tout ça. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui dure 3 jours, mais y a vraiment des soutages et des choses et du savoir-faire derrière qu'on voit sur le produit fini parce que c'est véritablement superbe, mais qu'on ne voit pas forcément dans le travail quotidien. Et moi, en tout cas, je suis content de l'avoir vu. Comme tu dis, je vous invite à venir voir de vos propres yeux. Et vous ne repartirez pas déçus, ça c'est clair. Et puis pour passer commande, je crois qu'il y a un carnet de commandes assez long, donc Ouais, 8 à 10 mois d'attente.
Voilà. Donc ne traînez pas si vous souhaitez avoir un couteau avec Karel. Le carnet de commandes ne fait que s'allonger. Tous les liens sont en description, son Facebook, son Instagram. N'hésitez pas à prendre contact avec lui pour faire un stage ou pour lui commander tout simplement un couteau. Il sera ravi de travailler sur votre projet. Merci à vous d'avoir suivi cette mini-série de 3 épisodes sur la coutellerie, sur Karel et son atelier. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez ce format, voilà, un petit peu vlog et un petit peu cinématique. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine expérience, une prochaine découverte ou une prochaine rencontre. Allez, ciao !